Bonsoir à tous. Goede avond voor deze bijzonder moment voor Benedetta Bucci. Good evening, everybody. Each artist diploma concert holds a particular and a special meaning of which we are proud of, since it highlights the personality of an artist as well as his or her career within the music chapel. So, tonight, we are proud to offer you the carte blanche of Benedetta Bucci. Benedetta took full advantage of her time at Chapelle since she enrolled the viola section of Miguel da Silva 4 years ago, and then she entered the chamber music section with the Adorno Quartet. Her artistic intelligence and refined performances have been noticed in several chamber music projects, including the Hope Digital Concert at the Royal Palace, and her participation in the huge recording project of César Franck Chamber Music Works. This evening program will reflect these two curricula. We will have the pleasure of listening to a Brahms sonata accompanied by Kojiro Okada. And then the Adorno Quartet will give us the pleasure of joining their violist on stage in a Beethoven quartet. Equens Juli Allen, un prachtig concert. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. I wish you all a very pleasant concert. And we'll now let Miguel da Silva say a few words. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être parmi nous ce soir. Je vais vous dire juste un mot sur Benedetta Bucci que j'ai eu la chance de rencontrer en 2015
sur les hauteurs de Florence, à Fiesole, endroit où les Florentins prennent l'air l'été, où l'air est plus frais, on est en hauteur. C'était dans le cadre d'un cursus de quatuor à cordes que l'école de Fiesole ouvrait sous l'impulsion d'un grand monsieur du quatuor à cordes qui était mort à l'époque, qui s'appelait Piero Farolyi, qui était l'altiste du quatuor italiano. Benedetta m'a tout de suite donné une impression d'une jeune femme qui allait s'inscrire dans la tradition de cet alto joué d'une manière élégante, aristocratique, comme elle a pu le travailler avec Bruno Girana et j'espère avec moi. L'alto, comme je le dis souvent, c'est un peu le personnage de l'ombre. C'est un peu l'instrument qui est moins brillant que le violon, qui est moins vocal que le violoncelle, mais qui est essentiel aux deux. Pourquoi ? Parce qu'il est à la croisée des chemins, il est au centre géographique du quatuor à cordes. Il suggère les choses, il entend tout dans le quatuor à cordes. Il peut parler de la balance, il peut parler de l'interprétation, il peut influer sur le tempo. Et Benedetta, ce soir, va nous donner un programme que je trouve absolument magnifique. Elle va commencer par la deuxième sonate de Brahms en mi bémol, opus 120, numéro 2. Nous sommes là dans les derniers opus de Brahms. Brahms n'a plus rien à prouver, il a tout écrit. Il a écrit ses symphonies, il a écrit son requiem allemand. Et donc, c'est une musique qui commence d'une façon, manière bucolique. C'est une musique avec des mélodies d'une profondeur absolument magnifique. Ensuite, Benedetta se projettera dans ce qu'un altiste doit savoir faire, le quatuor à cordes, au sein du quatuor Adorno qu'elle a fondé. Elle nous donnera, ils nous donneront l'opus 132 de Beethoven. Donc là, autant vous dire que nous sommes dans les derniers opus de Beethoven. C'est un an après la 9e, après l'hymne à la joie. Vous allez voir dans le mouvement lent, qui va durer 15 minutes, je pense que Beethoven, là, tutoie les anges. Et j'espère que vous serez en osmose avec lui, j'en suis certain. C'est une grande chance pour moi d'avoir Benedetta Bucci toutes ces années ici, et elle me manque déjà. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mesdames et messieurs, voilà, désolé pour cette interruption, nous prenons soin de madame. Nous allons, puisque le concert est enregistré, devoir reprendre, avec plaisir aussi, excusez-moi, nous allons reprendre l'entièreté du mouvement lent pour voilà, que nous puissions faire les coupures nécessaires au mouvement. Thank you.
Thank you.
Beethoven, Opus 130, the Cavatina.